Moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je vous remercie de m'avoir invité. Moi, je suis responsable d'une association qui s'appelle l'AFEV et qui intervient entre autres à Roubaix avec des étudiants bénévoles qui accompagnent des enfants en difficulté. Donc, j'ai envie de dire, enfin, bien sûr, il y a un rapport, mais il n'y a pas tellement de rapport avec ce dont je voulais vous parler ce soir. Je ne vais pas m'arrêter sur les constats ou la réalité parce que Johan, que je ne vois plus, oui, vous l'a décrit, juste puisque mardi soir, on a organisé une réunion, débat sur cette question. On a passé un film que je vous conseille qui s'appelle La honte de la République, qui est passé sur Canal+ en octobre dernier et qui montre avec beaucoup de réalisme comment ça se passe, que tu viens de décrire. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de mots après pour comprendre ce qui se passe. Donc moi, en fait, je participe, enfin, l'association que je préside participe à une grande campagne nationale qui s'appelle « Trop, c'est trop ». Et qui est en fait une idée assez simple, c'est de dire une cellule, une personne. Une cellule, c'est 9 mètres carrés, hein. C'est la loi qui le dit, Bernard Cato le disait. Il faut savoir que chaque année, la France se fait condamner. Hein, on parlait du respect de la loi, de la répression, de la délinquance. On pourrait parler celle de la délinquance de l'État qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ne respecte pas la loi. Alors après, on peut se demander quel est le sens de la loi et quel est le sens de la sanction. Et c'est la première chose, moi, que je voulais dire par rapport à cette campagne qui me tient particulièrement.